Pascal Affine-Guessant s'est adressé à la presse pour faire un point circonstancié de la journée électorale du 31 octobre 2020. Selon lui, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il a déploré une douzaine de morts en attendant de donner d'autres informations, dans ce qu'il a qualifié d'échec et de mascarade. Pour Affine-Guessant, la Côte d'Ivoire n'a pas connu d'élection présidentielle ce 31 octobre. Quel que soit le résultat, nous ne nous sentons pas concernés par ce qu'il s'est passé aujourd'hui. À en croire le candidat du pays. Il n'y a eu d'élection en Côte d'Ivoire. Nos compatriotes ont boudé dans leur très grande majorité l'opération que M. Ouattara a tentée ce jour. Son coup d'état constitutionnel et électoral a été un échec. Les Ivoiriens ont refusé de s'associer à cette mascarade d'élection, a indiqué Affine-Guessant. Pour Affi, il y a eu par exemple un désert électoral à Abidjan et dans des localités où des matériels de vote ont été brûlés. À Lesté, il a expliqué que 90% des bureaux de vote ont été fermés. Il s'est donc réjoui du fait que le mot d'ordre de désobéissance civile a été largement suivi par les Ivoiriens. Malheureusement, Affine-Guessant s'est dit triste de compter plus de 10 morts dans des affrontements qui ont lieu dans certaines localités, dont 4 dans la région de Gagnoa et 2 dans l'Est, a-t-il indiqué. Il a terminé en affirmant qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ce à quoi nous avons assisté n'est pas digne de notre pays. Parce que ce n'est pas de cette façon qu'on organise une consultation aussi importante qu'une élection présidentielle qui doit permettre au peuple de donner un président de la République qui constitue dans toutes les démocraties le socle de la République.